Hello, hello, salut tout le monde. En cette année 2024, je voudrais partager avec vous la parole prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur. Cette parole prophétique vient du livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 9 à 10, qui nous dit ceci. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les collines venaient à chanceler, mon amour avec toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Oh oui, mon frère, ma soeur, moi j'ai reçu cette parole, je la fais mienne. Car tout comme au temps de Noé, où on trouve cette alliance dans le livre de Genèse au chapitre 9, où Dieu a scellé cette alliance-là par l'arc-en-ciel dans les cieux, afin que quand il voit cette alliance, il se rappelle, afin que quand il voit cet arc-là, il se souvienne. Alors de même, toi et moi, mon frère, ma soeur, Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a démontré, déversé dans le monde l'amour, son amour. Jésus-Christ est venu, il nous a scellé par son sang la paix, car quand il était sur terre, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le donnent les hommes, mais il s'agit là de la véritable paix, c'est-à-dire la paix de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est pourquoi en cette année 2024, moi je saisis ces paroles-là, je la saisis fermement et je voudrais partager ça avec toi mon frère, ma soeur, afin qu'en cette année 2024, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu remplisse nos vies, qu'on nous retrouve autour de nous, en nous, sur nous, que l'amour et la paix de Dieu. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Et cet amour-là, car quand le Seigneur fait cette alliance-là, car il dit bien dans le verset 10, mon alliance de paix ne chancellera pas. Si le Seigneur parle d'alliance, comme il a fait au temps de Noé, en mettant cet arc-là dans les cieux, qui lui rappellerait, qui ferait en sorte qu'il se souvienne. Alors nous avons le sang de Jésus qui fait en sorte que Dieu se rappelle, qui fait en sorte que ce sang-là parle dans notre vie, afin que nous puissions enlever. Oui, mon frère, ma soeur, arrêtons d'être des enfants spirituels, car l'apôtre Paul l'a dit, que tant que l'héritier demeure esclave, demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Alors ceux qui entrent en possession, ceux qui ont droit à leur héritage, c'est les fils. C'est pourquoi en cette année 2024, que l'amour de Dieu, que la conscience de la paix de Dieu soit notre partage et que cet amour-là, on soit conscient qu'elle ne partira jamais. Non, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Cette paix-là, elle ne chancelle pas car elle est scellée. Elle est scellée. Alors toi, maintenant, garde ça. Garde cette alliance-là. Garde la conscience de cela en toi. Amen. Amen. Vraiment, c'est ce que je voulais partager pour toi et pour moi en cette année 2024. Que tout ce que le Père, tout ce que Dieu, toute sémence qui n'est pas de Dieu dans nos vies aujourd'hui soit enlevée. En 2024, rien de cette, aucune sémence, aucune programmation satanique n'a d'effet dans nos vies. Car nous sommes remplis de la paix de Dieu, nous sommes remplis de l'amour de Dieu. La tendresse de Dieu nous accompagne. Car Jésus-Christ a déjà scellé cela avec son sang. Car il est venu sur cette terre comme un simple homme. Il est mort. Il nous a montré le chemin. Il nous a rendu héritiers. Il nous a lavé de nos péchés. Il nous a dépouillé de toutes nos chaînes, de tout. Il nous a donné la vue. Il nous a donné la compréhension. Alors là, aujourd'hui, ne vanifions pas ce sacrifice-là. Ne rendons pas vain ce sang versé pour toi et pour moi. C'est pourquoi en cette année 2024, rappelle au Seigneur, fais parler le sang de Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu, déracine, car tu as reçu ce pouvoir-là par cette alliance-là. Et comme la nature horreur du vide, sème, remplace-la. Les sémences sataniques qui sont enlevées, arrachées dans ta vie, remplace cela par les bénédictions de Dieu, remplace cela par l'amour de Dieu, par la paix de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que parce que tu es rempli de l'amour de Dieu, parce que tu es rempli de la paix de Dieu, alors ça déborde en toi et c'est ce que tu démontres, c'est ce que tu redonnes aux gens. On ne se remplit pas de l'amour de Dieu pour garder, non, car chacun ne peut donner que ce qu'il a. Alors c'est pourquoi en cette année 2024, c'est mon partage pour toi et pour moi. Moi, je saisis cette parole prophétique. Moi, je la saisis. Tout comme au temps de Noé,
le Seigneur a mis l'arc-en-ciel pour sceller cette alliance-là. Aujourd'hui, nous avons le sang et le corps de Jésus qui scellent cette alliance-là. Nous avons le nom de Jésus. Et par-dessus tout, comme cerise sur le gâteau, nous avons le don du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Alors, c'est pourquoi que le Saint-Esprit soit notre compagnon en cette année 2024. Amen, amen, amen. Que l'amour de Dieu, que la paix de Jésus soit notre partage en 2024. Car la paix de Jésus, il nous la donne. Oui, il nous la laisse. Pas comme le donnent les hommes. Non, c'est la véritable paix. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors saisis cette parole. Moi, je la saisis et je la fais mienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.